Kenshin ne parvint pas à assiéger Gifu avant l'arrivée de Shingen. En apprenant cette nouvelle, Shingen abandonna sa marche sur la capitale pour préparer l'épreuve de force contre Kenshin. Le tigre de Kai et le dragon d'Echigo allaient s'affronter une fois de plus à Kawanakajima. Épreuve de force à Kawanakajima. On recommence là où tout a commencé, on va terminer là où tout a commencé à Kawanakajima. Donc on refait une bataille là-bas. Objectif, vaincre Shingen Takeda. Nous perdrons si Kenshin Uesugi est vaincu ou si tous les officiers alliés sont vaincus, sauf Kenshin Uesugi. Donc il va falloir protéger un petit peu tous ces glandus. Avec nous, Kenshin Uesugi, Kanetsugu Naoe, Kageye Kakizaki, Takahiro Kitajo, Kagekatsu Uesugi, Yoshikiyo Murakami, Kagetsugu Amakasu, Yataro Nikojima, Masashige Jojo. Contre nous, Shingen Takeda, Nobukado Takeda, Masatsugu Tsuchiya, Nobukimi Anayama, Yukimura Sanada, Kunoichi, Masakage Yamagata, Masatoyo Naito, Nobufusa Baba, Nobushige Oyamada, Masanobu Kosaka, Morinobu Nishina. Allez, c'est parti pour la deuxième bataille à Kawanakajima de ce let's play. Nemesis. Kenshin, tu es vraiment un homme puissant. C'en est ridicule. Tu plaisantes. Je vois que vous avez encore installé votre camp au mont Saijo. Vous êtes vraiment incorrigible. Viens. Le combat est bien la seule chose que tu comprennes. Alors tâche de comprendre que je vais t'abattre à chaque fois. Grand Bisha Mountain, dieu de la guerre. Grand Bisha Mountain, montre-moi la voie. Montre-moi la stratégie qui mène à la victoire. Ok, c'est quoi la stratégie? Franchement, j'hésite. Non, je pense qu'on va passer par le centre cette fois. Le pont. Ashiman Bara ou le château de Kaizu, lequel devons-nous attaquer? Alors, on a encore un choix. Ashiman Bara, on commencera par Ashiman Bara. Comme ça, ça fait une petite variation par rapport à la première bataille de Kawanakajima. Après, je sais pas franchement lequel des deux serait le meilleur choix. Après, c'est un peu plus près de passer par là, donc je gagne un peu de temps. Mais... Y a pas un bastion par là? Un bastion ennemi? Si, y a un bastion ennemi. On va le prendre déjà, ce sera une bonne chose de fait. Oh, tu te calmes, toi. Il est où? Il est où le chef? Il est où le patron? Il est là. Eh, hey, Nobukado! J'ai un cadeau pour toi! Wow! Que les dieux aient pitié de toi! Quel talent exceptionnel! Ok, c'est bon pour Ashiman Bara. Ne faiblissez pas! On peut encore gagner! Comment contre-attaquer après ça, Kenshin? Bien joué. On ne peut pas laisser Shingen envahir notre camp principal. Hanzo! Le camp principal n'est pas notre seule cible, tu sais. Mais on ne peut pas abandonner Senkuji non plus. J'ai
bien l'anticiper en allant par ici au moins. On va essayer d'être au four au moulin, je sais pas si on peut. Mais qu'est-ce que Hanzo fait avec... Ne faiblissez pas. Avec Shingen, franchement. Il nous repousse. Shingen, il a... Ne faiblissez pas. Il a, il a vassalisé les Tokugawa. Masakage Yamagata, digne successeur de Shingen. Celui qui vaincra Masakage sera le héros de cette bataille. Jamais! Que les dieux aient pitié de toi! Voilà. Nous ne serons pas loin derrière. Kanetsugu, tu te démerdes maintenant. Et moi, je vais essayer d'aider le camp principal si je peux. De toute façon, il n'y a pas de condition par rapport au camp principal. Voilà, si je le perds, c'est dommage, mais c'est pas l'objectif de le protéger. Pas d'officier sur le chemin, enfin il y en a un, mais ça va me faire faire un détour trop long. Faut absolument que j'aille m'occuper d'Anzo maintenant. Ne faiblissez pas! On peut encore gagner! Salut Masashige. Tu sais, tu pourrais aller donner un coup de main au camp principal. Oh, trop tard. Bien joué. Mais on va le reprendre, c'est pas grave. Accepte ton destin. T'as rien à faire ici, sac à merde. Que les dieux aient pitié de toi. Les ombres ne disparaissent jamais complètement. Crève. Voilà, je te vole tes répliques. Crève. Nous ne serons pas loin derrière. En avant! Faut que je prenne le bastion derrière, histoire que le camp principal soit de nouveau à nous. Ok, et après je vais me concentrer sur le centre. Mon objectif c'est de vaincre Shingen de toute façon. Qui est là-bas? Nobushige Oyamada. Bon, on va l'ignorer ce mec. De toute façon, il va certainement aller au centre aussi, au final. Ouais. Moi, faut que j'aille au centre. Mais en passant par là où je suis passé au départ. Faut vraiment que je garantisse que mes officiers alliés tiennent le coup, quoi. On a perdu quelques officiers déjà, c'est pas bon. Et Keiji nous a rejoint. Pourquoi il n'est pas là? Oh, il va peut-être arriver tout d'un coup, il va faire... Eh oh, ça vous ennuie si je me joins à la fête? Kenshin, je sais que tu ne veux pas de notre pitié. Je vais te montrer à quel point la guerre peut être cruelle. Bien. Les choses sont comme elles doivent l'être. Replions-nous pour le moment. Okay. Appuyez-vous, réorganisez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Désolé de débarquer comme ça. Je viens aider le seigneur Kenshin, le dernier des géants.
Superflu, mais fais comme tu voudras. Ah non, c'est cool qu'on ait Kenji avec nous. C'est le seul officier non générique du coup. Bien joué. Merci pour le coup de main, Kenji. Nous ne serons pas loin derrière. En avant! Fais attention, tu vas trop loin. Satoyo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? De toi. Ça va mieux. Je m'incline devant ton talent. Ça se présente mal. Mon Dieu. Bien joué. C'est bon, vous y arrivez à vous replier? Parce que je trouve que j'occupe pas mal l'ennemi. Hein. Je fais même plus que l'occuper, je suis en train de le vaincre. Ok, il y a un gros con. C'est le moment. Un pauvre fagot. Bravo, ça. Ah, mais ça risque de dégénérer. C'est pas un fagot, c'est Keiji. Mais pourquoi tu fais ça, Keiji? Yukimura, je vois que tu as appris des choses sur la guerre. Mener la guerre pour le plaisir n'est pas une activité honorable. Kenshin, tu disparaîtras avec les capons. Et tu vraiment si différent. En garde! Désolé du dérangement. Est-ce? Yukima, c'est ton tour. On a vaincu le petit faible là qui était derrière toi. C'est ton tour. Calme-toi, Yukima. C'est pas la peine de t'énerver. Ça changera rien à la sauce. Pas mourir, pas maintenant. Kunoichi va en retraite du coup. Nous ne serons pas loin derrière. Et genre ils font pas mourir Yukimura. C'est chiant Kunoichi qui était. Enfin c'est chiant qu'on l'ait pas croisé du coup. Quelque part par là, ouais. Je pense pas que je la rattraperai, c'est mort. En tout cas, c'est bon, là, ils sont repliés hors de la ligne de front. Peut-être que je dois le faire moi aussi. C'est peut-être ça la sauce. Donc, je vais peut-être aller y faire un tour vite fait, histoire de voir. Ah, je suis sur Matsukaze, je me disais bien que ce cheval était plus rapide que ceux que j'ai l'habitude de prendre. Matsukaze à Keiji. Ah,
Et lui, c'est pas replié, c'est fagot là. Dépêche. Il y a 2-3 troufions sur le chemin, on s'en fout. Il fait un mezou pour un crétin. Allez, Kagaye, on se casse. Allez, vas-y. Tu passes la ligne de front. Vas-y, on va voir du coup. Faut sûrement que j'aille aussi. Nous sommes arrivés assez loin. On fait quoi maintenant? Demi-tour. Donnez l'assaut sur le camp de Takeda. Si on en finissait maintenant, Nemesis. Donne l'assaut seul sur le camp Takeda. Ok. Ouais, en fait, c'est ça, on a juste rassemblé notre armée pour nous préparer pour la contre-attaque. Rien de plus, rien de moins. Très bien, je fonce sur Shingen. Je vais faire une petite intérim save maintenant, parce que si jamais, on sait jamais, hein. Si mes alliés se mettaient à tous mourir les uns après les autres, ce serait quand même moche. Shingen, je connais ton visage. On se rencontre enfin, Nemesis. Affrontement final, Shingen. Ma Nemesis. Et voilà, Shingen, tu es mort. Ou tu te replies, du moins. La stratégie ne semble pas être à la hauteur de la vitesse. Cette terre ne connaît pas la paix. Les Uesugi sont victorieux. Non, j'ai passé le cheminement, désolé. Cet esprit, Ichimonji, cet esprit. Kenshin vient de passer dragon ancien. Vitalité, vigueur. Victoire impressionnante, Kenshin. Tu es puissant! Puissant! À l'absurde! Je suppose que tu es venu m'abattre. J'ai rencontré ma Némésis. Avec nos lames, nous avons bien plus parlé qu'avec des mots. Et maintenant, Némésis et moi buvons un verre ensemble. Tiens.
Personne ne peut se mesurer à toi. Règne sur cette terre avec sagesse. L'ami. Alors, on est amis maintenant ? Très bien, mon ami. Le nouveau monde sera glorieux. Toujours cette sauce, Shingen et Kenshin qui sont de très 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 grands rivaux, mais au moment venu où ils sont supposés s'exécuter l'un l'autre, ils en sont toujours incapables, quoi. Bref, on se retrouve pour le personnage suivant ou pour l'autre fin si vous ne l'avez pas vu. À bientôt.